Hey yo tout le monde, c'est Herobrine Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve sur la duplication dans Minecraft. Donc déjà vous aurez besoin de blocs quelconques. Bon, moi je vais prendre de la pierre. Vous aurez besoin de redstone. Vous aurez besoin d'un distributeur ou d'un dropper, pardon. Vous aurez besoin d'une table de craft. Et vous aurez besoin de torches de redstone. Moi je les ai pas préparées à l'avance quelconque. Du coup c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc déjà pour la duplication, il faut commencer par se faire une oaklog vénère. Donc pour faire une oaklog vénère, vous mettez un bloc n'importe lequel ici, vous mettez 3 torches de redstone et vous mettez une poutre de redstone ici. Après, au-dessus de chaque torche, vous mettez un bloc, n'importe lequel. Ensuite, une fois que vous entendrez que la machine commence un peu à partir en couille, n'ayez pas peur, c'est normal, ça fait partie du truc. Vous reliez avec de la poudre et des redstone le dispenser à. Vous reliez en fait le clock au dispenser. Et il fera ce bruit hyper chelou qui est en train de me casser les oreilles en ce moment. Et vous allez vérifier dans aide et options, paramètres et interface d'utilisateur si la fabrication classique est activée. Si la fabrication classique est activée, désactivez-la. Ensuite, je vais m'éloigner du dispenser car sinon vous n'allez rien comprendre. Expert bois est ici plus tard. Donc du coup, vous allez prendre n'importe lequel. Bon, normalement ce qu'on veut dupliquer c'est du diamant, de l'or, de l'émeraude, du charbon si on n'a pas assez de charbon, même si ça m'étonnerait, du fer, du lapis ou de la redstone. On va les faire un par un, comme ça je vais vous... comme ça vous allez voir que tout marche. Donc on va mettre dans l'ordre, parce que je suis... voilà quoi. Donc, non, d'abord c'est le charbon. Charbon, fer, or, après redstone, lapis, diamant dernier et émeraude. Donc voilà. Bon, par contre, je vais peut-être baisser le son de ma télé, car là c'est en train de me casser les oreilles 2 secondes. Donc du coup, voilà, j'ai un peu baissé le son de la télé, donc ça me cassait les oreilles. Et du coup... vous allez aller dans cette interface quand vous allez dupliquer et vous allez aller là-dedans. Vous allez prendre la deuxième colonne et là vous allez faire vos blocs de richesse, ce que j'appelle moi des blocs de richesse. Ah oui, on peut aussi faire du foin, on peut aussi faire du slime, des blocs de purpure, des blocs de marmot, des blocs de verruginiseur, voilà. Et après du coup on les remettra en normal dans cette interface là, à cet emplacement précis. Donc du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le charbon dans le dispenser et vite fait vous allez aller dans la case et vous allez spammer le bouton A pour dupliquer. Ou alors il y a une autre manière, c'est avant que ce soit la fin du... en fait quand vous êtes à la dernière case, vous spammez le bouton A juste avant que la dernière case n'est plus en rouge. Comme ça, ça va... Enfin, moi, je marche comme ça, puis ça marche hyper bien. J'aurais peut-être pas dû mettre tout ça dans mon inventaire, car du coup, ça m'a tout fait en bloc. Voilà. Et là, par exemple, j'avais un stack de charbon, et là, je m'en retrouve avec un stack et 7 de charbon. Petite précision, il faut toujours au moins avoir de quoi faire 2 blocs, ou un, ça dépend, il y en a qui sont très fréchots en dupli comme moi, qu'ils arrivent à faire avec juste un bloc. Mais voilà, il faut en prendre au moins de quoi en faire 2 blocs, car sinon vous allez galérer sur la dupli. Donc du coup, je vais remettre peut-être le lapis ici, je vais peut-être aussi me préparer un coffre. Voilà, au moins ça va pas faire... Ah oui, pour vous montrer aussi que ça marche en survie... Merde, j'ai pas mis les privilèges d'hôtes, je les mets et je reviens. Donc du coup, voilà, j'ai mis les privilèges d'hôtes. Donc du coup, voilà, Blairiren, je vais peut-être aussi mettre le jour et enlever le cycle jour et nuit, car sinon ça va me gaver. Donc voilà, je me mets en survie, donc là je suis en survie. Ça marche aussi sans les privilèges. Donc du coup là on va faire avec le fer et regardez comment je fais. Donc toujours la même méthode, on met dans le dispenser, on ouvre la table de craft, on va dans la colonne qui correspond au fer, vous spammez la touche A et du coup
Regardez bien, là je suis à 5, 6, 7, 8. Donc du coup voilà, bon il y a une petite coupure, je m'en excuse. Donc du coup voilà, je finis avec 9 blocs de fer, mais comme vous voyez, à chaque fois que j'appuyais deux fois sur A, enfin que je spammais la touche A, et eh ben au lieu d'avoir normalement 5 blocs, par exemple j'étais à 4 blocs et j'avais assez pour faire 5 blocs, ça faisait 5, 6. Et vous pouvez même faire 5, 6, 7. Mais ça, c'est ceux qui sont vraiment très très chauds comme moi. Donc du coup, voilà, hein, je vous ai montré que ça marchait avec... voilà. On est à 64 et 21. Et je suis en survie, la preuve que ça marche. Voilà, donc on va ranger le fer ici. Voilà, avec les lingots d'or, toujours la même technique, on met dans le dispenser, on ouvre, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense que vous avez compris à force, voilà, on spam, regardez bien. Là j'ai 3 blocs d'or, là j'en ai 5, là j'en ai 6, j'ai pas eu de chance, là j'en ai 7, j'ai pas eu de chance, là j'en ai 8, j'ai pas eu de chance. Enfin bref, vous comprenez la technique, voilà, j'étais à 1 stack et maintenant, voilà, j'en suis à 1 stack et 15. Par contre, j'ai quand même autorisé de voler parce que sinon ça va être chiant. Voilà, hop, on jette l'or, on s'en bat les couilles, voilà. Après, on refait la même technique avec le lapis, tout ça, voilà, voilà. Bon, là, je vais pas le faire parce que, voilà, c'est chiant. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la redstone, c'est pas le lapis, c'est pas... Enfin, bref, c'est pas toutes ces conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est le diamant, merde. Donc, du coup, je vais jeter tout ça. Je vais me prendre le diamant, je vais peut-être aussi arrêter de me casser les pattes. Voilà. Avec le diamant, hop, hyper facile. Merde, j'ai raté. Hop, pap, pap, pap. Voilà, on spam. Voilà, 3 blocs. 4 blocs. 5 blocs. 7 blocs. 8 blocs. Voilà, vous avez compris. Voilà, j'étais à un stack, je me retrouve à 12. On refait la même technique. Voilà, je prends. Je spam la touche A. Voilà. Et du coup, j'étais à 1 stack et 14, il me semble. Et là, je suis à 1 stack et 36. Voilà. Puis comme ça, après, vous allez dans l'armure. Ou vous faites votre armure, tranquille. Et c'est finito. Et puis comme ça, après vous équipez votre sous diamant tranquille, tranquille. Donc du coup, voilà, c'était un tuto assez simple. J'ai quand même peut-être vous rajouter un bonus, car la vidéo, elle est un peu nulle, en fait. Enfin, elle est un peu... Elle est un peu pas longue. Je vais aussi arrêter la machine, car elle me fait chier. Voilà, on va casser le bloc là. Hop, voilà, comme ça, ça s'arrête. Quel plaisir pour les oreilles. Petit bonus, car j'ai l'impression que la vidéo elle était vraiment pas très très longue et j'ai envie qu'elle soit quand même un tout petit peu plus longue. Donc du coup, pour celle-ci, vous allez prendre un distributeur. Voilà, on prend n'importe quel bloc. Je sais pas si je l'avais déjà fait. Voilà, ça c'est un équipeur d'armure automatique. Comme ça, vous allez pouvoir jouer vos films préférés, genre Star Wars ou j'en sais rien. Mais bref, ça peut être stylé dans certaines circonstances. Donc pour ça, c'est assez simple la machine. Vous avez besoin juste de 4 dispensers. Il faut vraiment que ce soit des distributeurs ou des dispensers. Enfin, des dispensers, c'est une version anglaise. Vous mettez un bouton ici. Voilà, vous mettez ce que vous voulez dans les dispensers. Vous mettez une armure. Je vais essayer, voilà, de me mettre comme ça pour qu'on me voit. Je... me mets comme ça dans la machine. C'est galère. Non, c'est l'autre sens. Merde. Faut que j'arrive à toucher le bouton. Ah, c'est galère. Bon, attendez. Comment on peut faire? Bah, attendez. Je me mets en sneak, comme ça on a mon personnage en haut. Hop. Et du coup, là, j'ai une armure. Et du coup, ça peut être super intéressant. Parce que, imaginons, on prend différents armures. Différents armures, c'est pas très très français, mais ok. Attendez, je vais supprimer l'armure en diamant. Voilà. Par exemple, vous pouvez avoir des bulles battle avec ça. Par exemple, enfin des bulles battle,
des PVP, genre vous mettez une armure en cuir, une armure en maille. Voilà, je vais déjà mettre ça. Puis comme ça, ça va vous en mettre un. Par exemple, vous pouvez avoir un casque en diamant et... Enfin, attendez, je mets tout dans la machine et après on se retrouve. Donc voilà, j'ai mis toutes les bottes possibles, toutes les jambières, tous les plastrons et tous les casques. Du coup, je me mets dans la machine, je me mets en sneak, comme ça vous voyez mon petit personnage. Ah non, merde, vous ne voulez pas mon personnage. Voilà, comme ça vous le voyez. Mon petit personnage est juste là, j'essaye de le pointer du doigt, voilà, il est juste là. J'appuie sur le bouton et ça me met une armure random. Par exemple, là j'ai eu un casque en or, un plastron en or, des jambières en fer et des bottes en cuir. Voilà. Pour vous montrer que c'est totalement random, je vais enlever mon stuff. Je vais mettre les jambières là-dedans et je vais remettre ici tout ça. Voilà, je vais remettre tout ça. Hop, je rappuie sur le bouton et j'ai une autre armure. Par exemple, là j'ai eu un casque en fer, un plastron en diamant, des jambières en fer et des bottes en fer. Voilà. Et pour vous montrer encore une dernière fois ce que vous pouvez avoir par exemple, pour vous montrer vraiment que c'est random et que ça prend pas les meilleurs trucs, on a la preuve d'ailleurs, j'ai eu des trucs en fer alors que j'aurais pu avoir tout en diamant. Paf. Voilà, je me remets en sneak, comme ça vous voyez mon petit personnage. Paf, j'appuie. Et là j'ai eu une coiffe en cuir. D'ailleurs moi j'avais toujours ça, un casque. Pourquoi ils appellent ça une coiffe? J'ai eu un plastron en or, des jambières en diamant et des bottes en diamant. Franchement, pour un PVP, j'aimerais bien ce petit équipement. Et on peut faire encore plus fort. Car imaginons, il faut débuter avec une épée aussi. Hein, parce que sans épée, un PVP, ça risque d'être un tout petit peu difficile. Donc du coup, je prends un dispenser. Je le mets là. Il n'y a rien dedans. Je vais mettre quelques épées. Voilà, normalement ça marche. Voilà, plaque. Donc voilà, donc là j'ai eu une épée en diamant, j'ai eu la meilleure, super. J'ai eu une coiffe en cuir, encore, un plastron en fer, des jambières en fer et des bottes en diamant, ainsi qu'une épée en diamant. Franchement, pour un PVP, c'est assez marrant ce système, j'aime bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez m'aider à faire de nouvelles vidéos, vous pouvez lâcher un like. Partager la vidéo, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur cette phrase, mettre un commentaire, etc., etc., et moi de mon côté je vais faire la miniature. Bref, bye.